Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un haul, mais vous allez voir c'est encore un haul Vinted. Vous allez me dire Charlène, ça suffit, ça sera le dernier. Je vous fais juste cette petite intro pour vous dire que je vais filmer des petites séquences, que je vais tout réunir en une seule vidéo. Donc là je vais vous présenter des produits aujourd'hui d'en haut comme je fais d'habitude. Vous verrez que je ne serai pas habillée pareil sur la vidéo puisque je vais recevoir au fur et à mesure des envois et je vous en ferai une seule vidéo. Je pense que vous aurez compris. Donc c'est encore une fois des choses pas chères et ça sera, comme je vous ai dit, la dernière d'une longue série spéciale Vinted. On m'a demandé comment je fais pour trouver des bonnes affaires comme ça. J'ai cherché beaucoup 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 de vendeurs sur Vinted qui vendaient déjà pas cher mais surtout de très bonne qualité. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis tombée sur des merveilleuses vendeuses mais j'ai eu plein de belles rencontres par rapport à mes recherches sur Vinted parce qu'il y a des personnes vraiment, elles sont extraordinaires. Toujours avec des petits smiles, etc. Alors même si j'ai pas forcément des cadeaux dans tous les envois, des petits smiles et de la bienveillance à chaque fois que je leur demande est-ce que c'est possible de négocier un petit peu le prix, etc. etc. Franchement c'est toujours des amours. Donc c'est parti, je vous montre. Du coup j'ai pris ce petit tampon, donc toujours de la marque Florilège. Du coup j'ai pris ce tampon-ci puisque celui-ci, pour tout vous dire, je l'avais acheté sur AliExpress il y a de nombreuses années. Je pense qu'il y a peut-être un an et demi, 2 ans. Bon, nombreuses, hein, tout est relatif. Et je me suis dit stop Charlène, je ne veux plus de contrefaçon, donc je les rachète petit à petit et du coup je suis tombée sur celui-ci. Alors vous voyez, il y a juste ici qu'il est pas mal ancré, mais autrement il est trop joli. Donc ça c'était pour la même personne. Ici cette pochette, j'ai tout simplement acheté des tampons donc à Florence, c'est Chouette Fantasy, donc du coup sur YouTube. En fait l'année dernière je n'ai pas vu du tout qu'elle avait commencé à vendre beaucoup de tampons. C'est un an après que je vois sa vidéo de vente et du coup ben, je suis allée sur son Vinted et je lui ai pris des petits tampons qui lui restaient. Mais déjà en cadeau j'ai eu ceci, ça sent très bon, donc du coup je vais le mettre dans mon atelier. Je sais pas si c'est elle qui confectionne ceci, je ne pense pas, mais ça sent très bon. Vraiment je ne connaissais pas. Donc je crois qu'à la base ça c'est pour mettre dans les placards, mais moi je vais le mettre dans mon atelier parce que ça sent trop bon. Donc merci beaucoup. Alors je sais qu'elle ne passera pas sur ma chaîne, mais vraiment je suis trop contente d'avoir un petit cadeau. Du coup pour continuer ma collection de tampons, je lui ai pris celui-ci parce qu'il est trop joli. Cette marque là moi je ne connaissais pas du tout, mais regardez-moi ces pépites, c'est magnifique. Voilà, ça a colorisé, ça va être trop joli. Donc du coup je lui ai pris ce tampon. J'ai pas fait de gros achats, je lui ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci de Saga Post Scrap, il est magnifique. Celui-ci je me languis trop vraiment de pouvoir le tester. J'aime beaucoup. Puis l'avantage avec la silhouette et la Pixcan, je vais pouvoir le détourer facilement. Et forcément j'ai repris des tampons bois. J'ai pris celui-ci qui est trop mignon. Donc du bonheur, en veux-tu, en voilà, trop joli. Ici, et c'est un florilège, ici. Il y en a plein qui sont très vieux, mais moi, c'est ce que je voulais comme tampon. Du coup, j'ai pris celui-ci, c'est un florilège également, pour le thème de bébé. Parce qu'en tampon bois, bébé, j'ai pas grand-chose. J'ai pris celui-ci, hein, parce que j'adore les formes géométriques. Je suis à fond là-dedans. C'est pareil, c'est un florilège. J'ai pris celui-ci, bonheur, pareil, c'est un florilège. Et c'est au fil du bonheur. Il est magnifique, celui-ci. Donc ça, pour tout ce qui est couturière, mais pas que, parce que ça, je peux le mettre très bien dans une création. J'ai pris celui-ci, mode focus. Logiquement, tampon bois, pour la instant j'en ai pas des doubles, je me suis pas trompée. Mode rafale, celui-ci je kiffe, voilà, pour les albums et tout ça va être trop joli. J'ai pris celui-ci love life photo ensemble, j'adore. J'ai pris le stop parce que je me suis dit pourquoi pas. Alors je ne sais pas trop pour l'instant ce que je peux faire avec. Si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Et le petit dernier que je lui ai pris c'est la vie c'est ça. Du coup ça c'était mes petits achats sur le Vinted de Florence. Et pour terminer j'ai plus que ce petit paquet à vous montrer. Et je crois qu'il y en a juste 3. Donc je me suis trompée, il y en avait 4. Alors il y avait le toi et moi. Il était dans le lot parce que j'ai pris 2 lots où il y en avait 2. Je suis pas super fan mais je verrai quoi en faire. Pareil c'est un florilège. Bon par contre vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire de tous ces tampons. Je vais avoir pour tous les projets. Par contre ça m'a pris déjà 3 étagères. Je sais pas où je vais mettre les autres parce que j'en ai encore qui vont arriver. J'ai pris celui-ci puisque je suis toujours dans les formes géométriques. Alors celui-ci c'est un réel coup de cœur. Quand je l'ai vu j'ai dit il me le faut. Voilà, et vous voyez à chaque fois ils sont très ça fait partie des coups de cœur de tampons que je voulais m'acheter il y a quelques temps mais que je ne pouvais pas. C'est également un florilège. Celui-ci, moi de toute façon, j'adore. C'est
motif. On est en plein dans ce que j'ai. En fait, il était en combo avec celui-ci. Je vous avoue que celui-ci, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Je sais pas si je vais m'en servir. Donc, c'est les ateliers de Karine. Je vais voir. Peut-être pour faire un fond, mais c'est pas dit. Du coup, on se retrouve pour la suite de mon haul. Voilà. Donc, j'ai pris ce magnifique tampon. Il est trop joli. Ça, je l'ai pris à une personne et c'est un florilège. Voilà, ici. Et du coup, là, je vais vous présenter, je vais les mettre de côté. J'ai reçu deux nouveaux colis. Alors, celui-ci, hop là, je vais vous montrer. Du coup, c'est encore des tampons bois. Il y a celui-ci de tampon, il est magnifique. Alors, ils sont un peu, vous voyez, un peu sales, mais c'est pas grave. J'avoue, je suis très contente. Il est très joli. Et pareil, c'est un florilège. Alors, celui-ci doit dater quand même de pas mal de temps. Il y avait celui-ci que je trouvais très beau. Voilà, donc ça va. Il n'est pas abîmé, celui-ci. Il est magnifique. J'adore. Nous avons celui-ci qui est aussi très joli. Voilà, ici. Donc lui, il est un peu aussi... Il est un petit peu sale. Alors ça, c'est trop beau. J'aime trop. Nous avons celui-ci aussi que je trouve pas mal du tout. Comme ça. Donc il va falloir que je le nettoie comme je peux. Alors celui-ci, vous l'avez vu dans un vlog, je vous disais que je cherchais des tampons avec des petites maisons. Donc ça y est, j'en ai trouvé un ici. Celui-ci, coup de cœur. Alors vraiment, vous savez que sur ces formes-là, j'adore ça. Ça va, il n'est pas sale du tout. De toute façon, c'est un florilège aussi. J'ai principalement que cette marque de toute façon. Et le petit dernier de cette personne, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pareil, il est sublime. Alors je ne sais pas si vous verrez le changement de qualité, mais j'ai repris mon ancien appareil photo pour vous filmer vu d'en haut. Comme ça au moins, il est toujours à sa place. Et là du coup à la même personne j'ai pris 3 tampons. Voilà, comme ça au moins j'ai l'alphabet. Donc c'est florilège, vous voyez, ils sont pas très abîmés. Et là ce que j'aime c'est par exemple là ici le S c'est comme souvenir. Et ça en fait moi je vais les tamponner. Et pour mettre dans des endroits par exemple comme moment, comme irrésistible, comme youpi. Voilà, on peut les mettre à plein d'endroits différents. Donc vous avez celui-ci. Nous avons celui-ci, j'aime trop. Et nous avons le petit dernier, c'est celui-ci. De toute façon, c'est tout l'alphabet. Voilà, donc ça, je les ai pris à la même personne. Il faut savoir que à la base, ces trois-là, je crois que ça m'aurait revenu à 15 euros et je suis arrivée à les négocier à 12 euros. Donc, vous voyez, trois gros tampons comme ça, c'est ce que je vous disais, j'ai fait de très bonnes affaires et ça ne m'a pas coûté cher mes achats sur Vinted puisque 12 euros, trois gros tampons. Et de florilège. Du coup, voilà, je vous retrouverai encore une fois donc à la suite de cette vidéo puisque j'ai un dernier colis qui va arriver mercredi. Donc avant de clôturer cette vidéo, je vous le mets à la suite. Ça sera que des tampons bois. Il faut savoir que Lolo à la base sera à 15 euros et pareil, je l'ai négocié à 12 euros et vous verrez que là, ça vaut le coup parce qu'il y a encore plein de tampons. Du coup, on se retrouve pour la dernière partie tampons bois. Je suis désolée pour le bruit. Donc j'ai eu un petit mot ici de la personne. Celui-ci, je ne l'avais pas. Regardez-moi comme il est magnifique. Je l'adore. Il fait pas beau, donc je suis désolée pour la luminosité. Donc j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est tout à la même personne. Et là, c'est les derniers achats. Il n'y en aura pas plus, bon. Donc autant vous dire, celui-ci, je l'adore. Pour faire dans les fonds, c'est magnifique. Autant vous dire que il y en a beaucoup. Celui-ci, ben, pour un petit garçon, ça va être trop mignon. Donc c'est que des florilèges. Celui-ci, c'est pareil, il me faisait de l'œil depuis un moment, il est très vieux. Et c'est pareil, c'est un florilège, bon, vous voyez, la marque de la personne, c'est pas très grave. Voilà, et après par contre, ils sont de très bonne qualité, donc ça, vous détourez tout, ça fait trop joli. Du coup, j'ai pris celui-ci, alors dans l'autre lot que je vais vous montrer, j'en ai un en double, mais ça, c'est pas grave du tout. J'ai pris celui-ci, et pour finir, pour la personne, alors ça, c'était l'objet du délit. Celui-ci, c'est celui que j'ai pris en premier, et quand j'ai vu qu'elle en avait d'autres, je les ai mis dans mon panier, mais alors celui-ci... trop joli. Alors lui il est un petit peu noir. Mais regardez, j'aime trop ça à découper. Ça va être trop beau. Du coup voilà pour les petits tampons. Donc je remercie infiniment la personne. J'avais un petit mot avec. Et là du coup j'ai acheté un lot. Il faut savoir que ce lot là par exemple, quand je vous dis que j'ai vraiment pas acheté cher les articles, à la base il était à 15 euros. J'ai négocié à 12 euros. Du coup c'était livré dans une petite pochette comme ceci. Alors j'ai un petit bémol. Bon, il y avait marqué bon état, mais je trouve qu'ils sont très sales derrière. Je vais vous montrer. Donc celui-ci c'est le seul que j'ai en double. Donc c'est mode focus. Vous voyez, ils sont très sales, celui-là, regardez. Il est très abîmé. Voilà, ils sont pas... Voilà, pour du bon état, j'aurais mis plutôt un peu moins que bon état. Donc, je vous montre.
Bon, de toute façon, hein, je vais derrière. Hein. Hop, vous voyez, celui-ci, il est vraiment très sale. Mais après, c'est pas grave, ils vont quand même me servir. Ici. Et puis pour 12 euros, j'ai envie de vous dire, hein, je vais. C'est quand même pas mal avec tout ce qu'il y a. Celui-ci, je l'ai en gros. Cette étiquette, je l'ai en gros. Par contre, j'avais pas l'intérieur. Mon cœur t'appartient. Donc ça, j'aime pas trop. Mais bon, on verra si je m'en sers pour la Saint-Valentin. Celui-ci, j'aime beaucoup. Très joli. Ça a détouré. Ça va faire très très beau. Nous avons ces deux-là. Celle-là, j'adore. Il y avait plusieurs lots. Mais je sais qu'il y a une personne qui se reconnaîtra qui a acheté le deuxième lot. Voilà, alors ça j'aime un peu moins, à voir. Du coup, il y a ceux-là aussi. Ça fait plein de petites étiquettes et vous voyez à chaque fois, ils sont vraiment très 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 noirs. Mais le plus qui me... Voilà. Ça c'est un petit peu embêtant par contre. Celui-ci, sublime. Après, vous allez me dire, si j'en aurais acheté déjà un, eh ben, c'était le prix du lot quoi. Pour 12 euros, hein, là c'est pareil, vous voyez, ici, il y a du noir. Hop. Ici, comme ceci. Bon, il y en a que j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins noirs. Celui-là, vous voyez, il est un peu moins noir. Bon, c'est que des florilèges, hein, par contre. Ici, comme ceci. Comme je vous ai dit, j'ai pris de tout, vraiment, du petite fille, du petit garçon, du Noël, etc., etc. Bon, là, les prochains que j'achèterai, ça sera plus tard. Puisque là, j'ai vu qu'il y a la nouvelle collection de florilèges qui était sortie. Donc, pourquoi pas craquer sur la nouvelle. Celui-là, j'aime pas. Celui-là, je vous avoue, j'aime pas du tout. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je verrai bien. Et pour terminer, les deux derniers. Donc, la pochette va à la poubelle puisqu'elle est cassée. C'est cela. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup. Ça, on peut le mettre de partout. Et ça, avec l'arbre de vie. J'aime trop, trop, trop. Du coup, voilà tous les achats que j'aurais fait. On clôture cette vidéo. Enfin, aujourd'hui, je vous l'aurais fait en trois parties. Puisque il s'est passé une semaine entre tout, 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 tout que je reçoive. Puisque le dernier colis, donc celui-ci dans la pochette, à 12 euros, a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Puisque la personne a tardé à envoyer le colis. Mais je suis quand même assez contente de tout ce que je vous aurais montré. Du coup, voilà le haul que je vous aurais présenté aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il n'y en aura plus pendant un petit moment parce que là, j'ai fait le stock en tampon. Et puis, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.